matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message, les énergies de ce mardi 7 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, douche froide, petite philosophie du matin. Parmi les gestes toniques du matin, terminer sa douche par un jet d'eau froide sur tout le corps est l'un des plus stimulants qui soit. On se sent alors dans une forme olympique et étonnamment gaie. Eh bien voilà, douche froide pour ce jour. Aujourd'hui, j'ai pigé la patience. À l'endroit, je l'ai pigé à l'endroit, c'est une présence paisible et fin du désespoir. Cette carte est positive, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir sur l'illustration, eh bien, ce bel ange qui tient dans ses mains une horloge. Son énergie de cet ange calme et paisible, eh bien, cet ange vient vous dire qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Cette carte, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, heureuse, eh bien, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Donc, chassez votre anxiété et soyez flexible, soyez patient. La patience, eh bien, est une qualité et elle est une distorsion. Soyez ouvert et créatif. Choisissez de vivre, eh bien, paisiblement dans le moment présent et l'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, n'est-ce pas? Élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Ça veut dire que, voilà, vous êtes dans une situation que ça soit professionnelle, amoureuse, sentimentale, familiale, personnelle. On vous demande, eh bien, de mettre derrière vos vieux sentiments et d'avoir de la patience. Et soyez ouvert à diverses solutions, mais surtout de la patience. Soyez patient. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Oui, n'imposez pas votre volonté dans une situation où il n'y aurait que cette option. Parce que l'univers, il a d'autres choses aussi pour vous. Donc voilà, si vous êtes dans une problématique familiale, professionnelle, sentimentale, personnelle, ayez de la patience et surtout, n'imposez pas vos idées, comme s'il n'y avait que les vôtres qui étaient justes et bonnes, en fait. Il faudrait aussi que vous regardiez un petit peu autour de vous
de vous, mais que vous écoutiez aussi ce que des personnes bienveillantes suggèrent aussi. Donc voilà. Et puis je termine ici par l'affirmation. Je poursuis mes objectifs tout en étant ouvert et réceptif. Je suis patient et flexible et je suis prête à recevoir de toutes les manières surprenantes et imaginatives. Belle affirmation, n'est-ce pas? Ça résume un petit peu, eh bien, ce que cette carte vous dit. Alors, message de ton âme, et j'ai pigé recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Voilà un beau message de ton âme pour terminer eh bien, ce mardi 7 mai 2024. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour un nouveau message. Je vous embrasse. À demain.